Derby lorrain à Picot entre Nancy 19e et Metz 11e. Après la victoire de Lille face à Caen la veille, Nancy se retrouve premier relégable. Mais le championnat du bas est si serré qu'une troisième victoire consécutive à domicile pour la bande à Coréa leur permettrait de réaliser une belle opération. Comme souvent, les derbies s'annoncent âpres et disputés, d'autant que Metz prend plus de points à l'extérieur. Comme la saison passée en Ligue 2 où les Grenats avaient arraché le nul dans les arrêts de jeu, 2 buts partout. Cela fait 8 ans que les deux équipes ne se sont plus opposées en Ligue 1. Et les Messins se procurent la première occasion avec cette tête du capitaine Kevin Lejeune. NDSMB tout heureux de voir ce ballon frôler son montant. La réaction des Nancéens avec cette frappe d'Issiardia. Aucune prise de risque pour Thomas Didillon sur cette frappe flottante. Les Messins réagissent avec malice et roublardise à l'image de ce coup franc tiré directement par Assou et Koto. La réponse des Nancéens sur coup franc également, mais ça va faire mouche cette fois-ci avec la patte droite de Benoît Pedretti à la 38e minute. Ça fait 1-0 pour Nancy. Premier but de la saison pour Benoît Pedretti, son 30e en pro, dont 18 à l'extérieur de la surface. Il n'avait plus marqué depuis août 2013 lorsqu'il portait le maillot d'Ajaccio face au PSG. Les Nancéens essayent d'enfoncer le clou avec cette tête d'Adji sans problème. Pour Thomas Didillon, du rythme en cette fin de première période avec cette frappe de Marchetti qui oublie peut-être au passage son capitaine Adji. Belle intervention de Didillon. À la pause, c'est Nancy qui mène à 0 grâce à Benoît Pedretti sur coup franc. Metz n'est dangereux que sur coup de pied arrêté et n'arrive pas à peser. L'absence du meilleur buteur Grenat, mais vu Terding se fait quelque peu sentir. Metz essaye de réagir par l'intermédiaire de Vion, auteur d'un doublé lors de la remontada fantastique lors de la dernière journée face à Lorient et le nul 3 buts partout. Et comme lors de la dernière journée, Ndiassembe se blesse à 20 minutes de la fin et cède sa place au portier biélorusse Sergei Tchernik, qui n'aura pas grand chose à faire d'ici la fin de partie puisque les Nancéens confisquent le ballon et vont même inscrire un second but par l'intermédiaire de Geoffrey Cuffo dans un angle fermé. Le ballon du latéral passe entre les jambes de Thomas Didillon. 2-0 pour Nancy. Première réalisation en Ligue 1 pour l'ancien du Mans, bien lancé par Aïd Benasser. Les Nancéens ont fait la différence et vont accélérer de nouveau avec, dans la minute suivante, Issiardia de nouveau entre les jambes de Thomas Didillon. Issiardia n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis 2010. Il porte la marque à 3-0. Le mauvais renvoi de la défense messine et en embuscade, Issiardia soigne le goal average des Nancéens. Metz va être réduit à 10 suite à ce deuxième carton jaune à l'endroit de Benoît Assou et Koto, en retard sur Youssouf Hadji. Nancy était déjà dominateur à égalité numérique. Il en sera de même, voire même plus, à 11 contre 10 avec cette tentative de Youssouf Hadji. Dia a marqué, Pedretti a marqué, il ne manquait plus que Hadji pour clore le spectacle. Ce sera Aït Benasser qui va profiter de cette passe de Cuffo au terme d'une action collective remarquable en une touche de balle. Tout est magnifiquement réalisé. Ça fait 4-0 pour la SNL. Festival offensif ce soir. Nancy, qui n'avait marqué que 8 buts en 14 matchs depuis le début de la saison, en a claqué 4 ce soir. Derby rêvé pour la SNL qui surclasse son voisin Messin. Nancy, qui a pris 7 points lors des 3 derniers matchs, sort de la zone rouge pour occuper désormais la 13e place.